Le général de Gaulle venait de mourir. Et là, dans cette basilique de Notre-Dame, dont les voûtes avaient reflété tous les grands événements de l'histoire de France, ils étaient là, les souverains, les présidents de la République, les chefs d'État, tous ils étaient venus du monde entier. Et là, au premier rang, à la place d'honneur, le premier de tous, bien avant l'Américain, bien avant le Soviétique, il y avait un petit homme en uniforme, au visage sombre, au visage célèbre. Il s'appelait Haïlé Sélassié. Il était empereur d'Éthiopie et on l'appelait le roi des rois. Alors, beaucoup de téléspectateurs ont cru que justement, s'il était le premier de tous, c'est parce qu'il était empereur. Un empereur, ça passe avant tout le monde. Puis 1916. Mais en plus, il appartenait aussi, et ça le protocole ne s'en était pas préoccupé, mais nous, nous le savions, il appartenait aussi à la plus ancienne dynastie du monde. Songez que cet homme-là se réclamait tout simplement de soigner un fils. Un fils qu'ils ont baptisé Ménélik Ier. Et ce serait le premier empereur d'Éthiopie. C'est une très belle histoire, l'historien n'en est pas très sûr. Ce qui est certain, c'est que en 1268, Négus, empereur d'Éthiopie, roi des rois, est probablement l'une des plus extraordinaires de notre siècle. Et cette histoire commence en 1892, quand naît en Éthiopie un jeune prince, puisque le premier Ménélik, c'était justement le fils du roi Salomon. Et Ménélik II a parachevé une unité difficile, car ce pays, ce royaume, cet empire d'Éthiopie n'est pas un pays facile. Et l'autorité de Ménélik II et Fabius II leur a envoyé ses propres armées et les a battus en un lieu resté tristement célèbre parmi les Italiens, à Adoua. Alors, beaucoup de gloire autour de Ménélik, on le respecte, on envoie des journalistes auprès de lui. C'est un personnage, évidemment, peu ordinaire. Particularité, alors que tous les princes de sa famille se préoccupe surtout d'exercices du corps, très sportifs, le cheval, les combats, toutes sortes de choses, et puis les exercices et les entraînements guerriers, lui est un intellectuel. Il ne sait pas ce que c'est qu'un intellectuel, c'est nous qui l'appelons intellectuel. Il adore l'étude, et son père a rencontré un monseigneur français, Tafari, va étudier avec Yassou, qui va devenir le compagnon de son enfance et de son adolescence. Ménélik n'en a pas fini de s'étonner avec le cas Tafari. Un jour, Ménélik se promène à cheval avec les princes de sa famille. Il y a Yassou, bien sûr, son petit-fils, et il y a aussi Tafari. Tafari accepte, voilà, il s'élance. Et c'est Tafari qui gagne. Et ce n'est que lorsqu'on sera rentré au palais que l'on saura qu'en tombant, Tafari s'est cassé le poignet. Il a quand même gagné la course en souffrant horriblement. Et le vieux Ménélik, le regardant, lui dira « On t'appelle. » Parce que la loi éthiopienne, la loi de succession, exige seulement que le souverain appartienne à la famille. On n'est pas obligé d'être le successeur direct, et même on peut succéder par les femmes. Alors pourquoi pas Tafari? Parce que Yassou inquiète les nobles, inquiète les grands. Yassou est un jeune homme instable, il boit plus que de raison, il court les filles, il sombre dans des orgies crapuleuses, et surtout,
Il n'a pas d'esprit de suite, il est incapable d'étudier. Tafari pourrait se laisser tenter. Et il comprend que ce n'est pas le moment. Que si son heure doit venir, c'est plus tard. Et au contraire, qu'il faut reconnaître le pouvoir de Yasu. Et même, il signe un pacte avec Yasu. Il s'engage à ne pas revendiquer le trône de Ménélik. En revanche, Yasu s'engage à confirmer Tafari comme gouverneur du Harar, ce Harar à Addis Abeba. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a tout simplement enlevé l'épouse d'un grand féodal. Elle s'appelle Ménène, la princesse Ménène. Elle a 20 ans et on comprend qu'il l'ait enlevée. L'ennui, c'est que justement, elle était mariée. Et la Bouna, qui est le grand prêtre de l'église éthiopienne, vous savez que l'Éthiopie est chrétienne, elle l'est même bien avant n'importe quel pays, puisqu'elle a reçu l'évangile, n'enlève pas une femme mariée. Tafari s'est défendu en disant, mais elle n'était pas mariée religieusement avec le féodal, mais civilement. Alors il a fallu prier, supplier, la Bouna a fini par revenir sur son excommunication, mais ça a duré des mois. Et pendant des mois, Tafari ne s'est pas senti très bien, d'autant plus que c'est un homme très pieux. Et c'est le moment où éclate la guerre de 1914. Pourquoi? Mais parce que la guerre se développe, on ne se bat pas seulement en Europe, le monde entier peu à peu entre dans la danse, hélas. Allemagne. Or, on soupçonne le souverain chrétien, qui est évidemment Yasu, de pencher vers l'islam. Chef de l'église éthiopienne, c'est le roi, c'est l'empereur. Donc il n'est pas question que Yasu puisse être autre chose que chrétien. Toute la hiérarchie musulmane qui s'est convertie au christianisme, à la religion copte, pour épouser une fille de Ménélik. Mais l'islam est tout près. Et Yasu va épouser successivement 5 femmes, toutes musulmanes. Secret de son cœur, est revenu à l'islam. Ça gêne beaucoup les alliés, les Français, les Anglais, qui se disent, attention, s'il... faciliter peut-être un changement de souverain. On approchera Tafari, mais Tafari est un homme de parole. Il a juré attaquer Yasu devant la Bouna. Et celui-ci étudie le dossier, on lui montre les correspondances, il n'y a pas de doute que Yasu, s'il n'est qu'un musulman soit souverain de l'Éthiopie, il ne peut plus être roi. Alors c'est fini de Yasu qui va s'enfuir contre vont proclamer impératrice la fille de Ménélik. Mais comme une femme ne peut pas régner, on nomme un
regarde en dehors des frontières de l'Éthiopie et se dit, la guerre va s'achever par la victoire des Anglais et des Français. Donc, et quand la guerre est proche de s'achever, il prend un édit, c'est le 9 novembre 1918, retenez bien la date, qui mais la mesure est importante, parce qu'il se dit la guerre va s'achever. Déjà on annonce que les nations vont se grouper dans une ligue. Et comme il l'avait prévu, les puissances créent la Société des contre l'esclavage. Et l'Éthiopie entre dans le concert des nations. Tafari l'a voulu parce qu'il sait qu'il est menacé. Il sait que sur ses fronts, l'Éthiopie, c'est d'un grand politique. Et désormais, Tafari va essayer de faire sortir l'Éthiopie de son isolement. Elle est restée dans un isolement séculaire, d'abord à cause de sa religion chrétienne. C'est assez curieux, un État chrétien en Afrique, il a été le seul pendant des siècles. Et justement, pour se retrancher des musulmans, l'Éthiopie a accentué son isolement. Alors il voudrait... Il est reçu à Londres, il est reçu à Bruxelles par le roi Albert, reçu avec enthousiasme à Rome par Mussolini, qui, si on devait faire du mal pour l'Éthiopie, quand il m'a dit ça, je lui ai demandé pourquoi, pour quelle raison que vous étiez sûr de ne pas faire du mal à l'Éthiopie. Il m'a assuré, il m'a répondu, parce que ça marche très bien, nous sommes très amis, nous avons fait des traités, tout ça. En ce moment, je lui ai dit ce que Napoléon il a dit, ça veut dire. Toujours le régent d'une impératrice qu'il faut consulter pour les décisions, même si elle dit toujours oui. Et il faut dire qu'il manœuvre assez bien, toujours la féodalité. Ça s'est toujours passé comme ça dans l'Europe du XVe siècle, ça se passe comme ça en Éthiopie du XXe, et spontanément, des nobles, s'il sera empereur, eh bien, nous continuerons en Europe à l'appeler le Négus. 2 ans plus tard, l'impératrice meurt. Puisqu'elle n'est plus là, il va pouvoir se faire couronner empereur, c'est-à-dire roi des rois. Chaque souverain éthiopien qui monte sur le trône se choisit un nom, Haïlé, c'est il ne faudra jamais l'oublier. Le voilà empereur, il y a un couronnement fastueux à Addis Abeba. Il y a des représentants de constitution, grande nouveauté, une constitution dans l'empire du descendant de Salomon. Mais oui, constitution de 1931 qui prévoit un parlement. C'est vraiment l'entrée dans le siècle, dans le XXe siècle. Évidemment, les députés sont choisis par les nobles et les féodaux, et les sénateurs sont tiers. Mais quelqu'un va arrêter tout ça. Quelqu'un va arrêter cette entreprise de modernisation, c'est tout simplement Mussolini. Mussolini qui, depuis qu'il est au pouvoir, ne pense qu'à une chose, absorber l'Éthiopie. Pourquoi ? Eh bien,
Dès 1934, Mussolini avoue à ses proches qu'il va conquérir l'Éthiopie. Et dès 1935, les préparatifs commencent. Les matières premières stratégiques sont confiées à un commissariat à l'armement. On supprime la convertible. Qu'on le laissera faire. Parce que depuis quelque temps, l'Europe s'inquiète de quelque chose de bien pire que les convoitises de Mussolini, c'est l'ambition d'Hitler. On a été très inquiet en juin 1934 quand on a vu Hitler venir rentrer. Mais heureusement, Hitler va trop vite. Les nazis autrichiens assassinent le chancelier Dollfuss, qui est un ami personnel de Mussolini. Mussolini avait promis son appui à Dollfuss. Il envoie des divisions au col du Brenner, qui marque la frontière avec l'Autriche. Il meurt dans les bras d'Hitler. Voilà le secret de toute cette histoire, qui est la plus ambiguë, pas la plus obscure, elle est claire dans son ambiguïté, mais la plus lamentable, parce que les puissances ne feront pas ce qu'elles doivent faire. Elles piétineront les puissances occidentales, les principes, dans le but, justement, de s'assurer l'appui de Mussolini. Pas d'accord. Il ne veut pas d'accord. Et le 2 octobre 1935, c'est ce grand discours qu'il prononce devant 100 000 Italiens. Et ce discours est relayé dans toute l'Italie par des haut-parleurs. On a appelé tous les Italiens sur les places à se réunir. Mussolini est encore une fois assez habile. Parce que, nouvelle ambiguïté, les deux puissances qui tâchent de leur mieux d'arrêter Mussolini dans son élan, la France et l'Angleterre, qui, à la tribune, partout, dans les réunions diplomatiques, disent « Nous sommes tous liés par une solidarité qui fixera notre devoir. Nos obligations sont inscrites dans le pacte. La France ne s'y soustraira pas. » Et 2 jours plus tard, les armées italiennes entre en Éthiopie sans déclaration. Cet État des Nations prévoit que quand un pays est reconnu agresseur, le monde entier doit se liguer contre lui. Et la SDR, comme on disait, condamne l'Italie comme agresseur. C'était difficile de faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on l'a condamné? Et le Négus attend. Il attend avec son armée. Quelles sont les forces en présence? Le Négus peut mettre sur pied à peu près 200. Bien sûr, il y a la garde impériale qui est entraînée à l'européenne. Très bien entraînée. Mais il ne forme que 5 à 6 000 hommes. De l'autre côté, eh bien, l'Italie a regroupé camions. Avions au début, 500 avions à la fin. Le Négus, lui, dans sa tentative de modernisation, a acheté des avions. Il en a 12, mais il y en a 6 qui sont hors d'état de voler. Ils posent leur vivre pour le voyage. Et ils sont là, des dizaines de milliers qui saluent l'empereur. Et ce diplomate se disait: pauvres gens, ils vont à une mort certaine. Et ils ne le savent pas. Et oui, ils étaient venus parce que le chef du village les avait mobilisés. Se disait, il n'y a qu'un homme dans l'Empire qui sait la vérité et qui connaît réellement la disproportion des forces, c'est l'empereur. Oui, c'était Haïlé Sélassié qui n'avait malheureusement pas trop d'illusions. Sauf sa foi, son immense foi en Dieu, il l'a écrit à l'impératrice, moi de la SDN. Des sanctions qui diminueront le potentiel de combat de l'Italie. Alors il faut lui interdire l'accès à des produits essentiels. Et c'est exact qu'on vote un certain nombre de décisions qui lui interdisent d'acheter désormais certains minéraux. Que cette armée qui est entrée en Éthiopie est totalement motorisée. Elle ne peut s'avancer qu'à cause des camions à essence, que des tanks à essence, qu'aux avions à essence.
Et disons qu'il faut plaindre les dirigeants de cette époque, parce que ces gens-là étaient littéralement écartelés, on les a jugés, on les a condamnés. Mais disons qu'il faut aussi les plaindre. Et il faut dire que ces premières attaques italiennes ont été brisées par les troupes éthiopiennes. C'est assez miraculeux, et c'est assez beau. Il y a eu ça à l'accès. Alors le général Badoglio a déclaré qu'il fallait arrêter cette contre-offensive qui ont brûlé les poumons, qui ont brûlé les corps, les gens. Il y a eu des dizaines de milliers de cadavres agonisant dans d'horribles cris. C'est alors qu'Haïlé Sélassié a pris le commandement de 30 000 hommes et a attaqué. Ce fut la dernière bataille. Elle fut à la fois superbe et tragique. Parce que les Éthiopiens se sont battus avec la volonté. Et puis il a dû retraiter, se replier, s'enfuir dans la montagne avec sa garde. Et il est arrivé enfin à Addis Abeba. Là, la ville était paisible, mais dans l'angoisse, que faire? Plus dira en effet, à quoi aurait servi que je sois tué par les Italiens ou emprisonné par eux pour essayer de redonner sa liberté à mon pays, il valait mieux que je sois hors de ses frontières. Alors il a pris le train avec sa famille, le petit train construit par les Français d'Addis Abeba à Djibouti. Et à Djibouti, il a pris un bateau britannique qui l'attendait, qui l'a conduit en Palestine. Il est allé se recueillir à Jérusalem, où l'attendaient des moines éthiopiens qui prient. À Londres, il a pris un appartement et il a souhaité rencontrer tout le monde politique, anglais, britannique. Il a lancé des invitations. Personne n'est venu, sauf Lloyd George. Personne d'autre. Il est parti pour la Suisse. Pour Genève, où siégeait la Société des Nations, son dernier récit. Et le négus parlant à la tribune. C'est une image impossible à oublier. Elle est tellement tragique. Cet homme qui est la fragilité même, qui n'a plus rien et qui vient simplement demander justice, dire à ces hommes réunis là, l'Éthiopie est entièrement occupée. C'est une victoire absolue. Alors, ces gens réunis là au nom du droit se disent à quoi bon puisqu'ils ont gagné. Et on laissera repartir le négus sans rien lui accorder. Il avait demandé des crédits pour animer la résistance, on les lui refuse. De continuer à lui appliquer des sanctions. On s'incline devant la force. Vous savez, l'histoire des démocraties occidentales, on s'installe dans une petite maison à Basse, ville balnéaire, avec sa femme. Il prie chaque matin, il lit beaucoup, il parle de l'Éthiopie. Grande-Bretagne. Et aussitôt, le négus propose à Churchill une alliance. L'Éthiopie sera auprès de la Grande-Bretagne. Il est aux frontières de l'Éthiopie. On lui expédie des militaires, des conseillers avisés, Sanford, Wingate, que l'on appellera le Lawrence d'Éthiopie.
Et voilà que le jour vient où il peut franchir la frontière de son pays, de son empire. Le voilà sur la terre de ses ancêtres. Et quelle émotion il ressent. Et voilà que viennent à lui ses sujets qui le reconnaissent, qui le saluent, qui s'inclinent jusqu'à terre, parce que l'habitude est de s'incliner jusqu'à terre, de se frapper le front jusqu'à terre. Il est empereur encore. Quelques jours plus tard, il entre plus profondément même dans son pays et il va hisser le drapeau éthiopien de ses propres mains. La force Gédéon, comme on l'appelle, 500 hommes. Et c'est cette petite force qui va venir à bout des Italiens, 7000 Italiens. Lui rendre hommage et il se retrouve lui-même et même les grands seigneurs qui avaient pactisé avec les Italiens eh bien viennent lui faire acte d'allégeance. Il y en a même un qui vient en uniforme de général italien, il aurait pu quand même changer de tenue, et il pardonne et il accueille tout le monde. Et la fameuse entrée እና ለማስተባበር የህዝባችንን ኑሮ ለማሻሻልና ከዓለም መንግስቶች ጋራ በፍቅር ለማስፋት ነው። እነዚህን ነገሮች ለማስኬድ የዓለምን መንግስቶች ሁሉ በርዳታና በ Alors la guerre s'achève et il a pu voir après Yalta à la fois Churchill et Roosevelt. Et il s'est beaucoup rapproché de l'Amérique. Je vous ai dit que c'était un très grand politique. Pourquoi? C'est assez fort tout ça. Et quand se forme l'ONU, comme l'Éthiopie a aboli définitivement l'esclavage, eh bien, l'Éthiopie figurera parmi les membres fondateurs de l'ONU. Alors, c'est une figure de légende maintenant, il est Sélassié. L'Éthiopie siège au premier rang des nations. C'est à la cathédrale Saint-Georges d'Addis Abeba que les cérémonies du jubilé d'argent de l'empereur d'Éthiopie ont commencé. Fête qui devait dépasser en splendeur celle qu'avait connue la capitale voici 25 ans pour le couronnement. L'impératrice dans un carrosse doré tiré par 6 chevaux blancs jusqu'au Parlement éthiopien où devait se dérouler une séance décisive pour l'avenir du pays. Et il continue à agir avec une habileté inouïe. Et voilà qu'il propose le suffrage universel à son pays. Il a donné 2 constitutions successives. De monarchie constitutionnelle en Europe. Elle avait créé un parlement avec un sénat, une chambre des députés. Il y avait des élections qui se passaient à mon avis régulièrement. D'abord, il n'y avait pas de candidat unique. Il y a eu au début 2 ou 3 candidats par circonscription, après il y en a eu jusqu'à 8 ou 9. Il n'y avait pas de parti, mais je crois que c'était presque une impossibilité d'organiser des partis. Gens suivant l'ethnie à laquelle ils appartenaient. Alors ils étaient plutôt pour le lion, ou plutôt pour le mulet, ou plutôt pour le chameau. Et cela donnait au fond une chambre des paysans amara, soit représentants du peuple dans un parlement. Et pour la plupart, ils ne savaient pas lire et écrire. Il fallait des gens qui déjà
L'empereur a dit, dans un des discours qu'il a prononcé à ce moment-là, je veux donner des institutions représentatives à mon pays, je sais très bien qu'elles ne marcheront pas, et qu'elles ne marcheront pas avant longtemps. Mais je veux donner au peuple l'habitude de s'occuper de ses propres affaires. Il considérait ça comme, si vous voulez, une période probatoire, une période d'initiation. Tout ça, ce sont surtout, disons-le, des gestes vis-à-vis de l'étranger, mais et ça paye, mais ça sert, parce que ce qui m'intéresse, le voilà même à Moscou, parce qu'il trouve utile d'être à Moscou. Le voilà à Pékin, où il voit Chuen Lai, c'est utile d'être bien à Chuen Lai. Et il discerne un courant nouveau qui l'intéresse prodigieusement, et qui est le non-alignement. Il sera à la conférence de Bandung. Il fera que l'Éthiopie soit présente à Bandung, parce qu'il pense que c'est peut-être un moyen tout à fait inédit, mais considérable, de faire jouer un rôle important à l'Éthiopie, et il choisit bien. Et puis, il ira en France, rencontrera le général de Gaulle. Il admire prodigieusement le général de Gaulle. Pour lui, c'est un héros des temps modernes. Ils étaient d'ailleurs, lui rendre sa visite. Addis Abeba. Sous les acclamations de la foule, le somptueux carrosse, escorté par les lanciers de la garde impériale, a fait son entrée au palais. Avant d'assister à la réception offerte en son honneur par le chef de la plus vieille dynastie du monde, le président de la République, toujours acclamé par la foule, s'est rendu au monument aux morts de la capitale éthiopienne. Mais il y a une chose que Haïlé Sélassié, roi des rois, lion de Judée, puissance de la Trinité, n'a pas encore compris. Beaucoup de bourses à des jeunes gens pour aller étudier à Paris, en Amérique, en Angleterre. Il a créé boursiers qui reviennent d'Oxford, ou bien de Harvard, ou bien de la Sorbonne, et qui retrouvent leur des régions entières vivent dans un état de famine endémique. Et le boursier de Harvard, de la Sorbonne ou de Cambridge supporte mal de retrouver cela en rentrant. Et il pose la question, que fait-on pour ces gens-là? Bien sûr, il voyage le Négus, bien sûr, on l'admire dans le monde, on le traite comme un souverain important, comme un chef d'État de premier plan, ce qu'il est. Mais les jeunes Éthiopiens voudraient qu'on puisse l'admirer aussi dans le cadre de son pays. A éclaté. À Addis Abeba. Beaucoup de personnalités de l'entourage de l'empereur, et même à la radio, le prince héritier, le fils, et Brutus, tu quoque, filii, toi aussi mon fils,
Et il revient à toute allure, prend plusieurs avions, un dernier avion pour arriver plus vite. Un des moteurs tombe en panne, continue. Également téléphoniquement avec lui, et le chef de l'armée envoie l'armée réprimer l'insurrection. Il a gagné une fois de plus, à Haïlé-Sélassié, il revient triomphalement. Tout de même, les deux frères, non, l'un est abattu, l'autre est pendu. On ne peut pas faire moins. Et ce discours, il l'a prononcé avec un revolver sur la tempe. C'est la version officielle. Il n'est pas sûr qu'elle soit vraie. Mais c'est le caractère d'un problème. Et que une solution, selon lui, pour l'Afrique, c'est l'unité. Et c'est lui, Haïlé Sélassié, qui prend l'initiative d'un rassemblement pour cette unité. Il en parle à Sékou Touré et le convainc. C'est d'ailleurs assez étonnant. Et ce congrès, c'est le triomphe d'Haïlé Sélassié. Et là, le congrès, il est en civil, costume de flanelle grise, et il reçoit ses égaux, qui sont les présidents, les chefs d'État, en leur serrant un dîner de 1500 couverts dans le vieux palais de Ménélique, à l'ancienne. Et il est de nouveau l'empereur, le roi des rois. Et c'est superbe. Et c'est grandiose. Et il prononce un discours, une fois de plus remarquable, déclarant qu'on n'a pas le droit de se séparer sans avoir créé une organisation de l'unité africaine. Il a quelques ennuis à ses frontières. Il a obtenu de l'ONU que l'Érythrée lui soit confiée. Il a annexé l'Érythrée, mais en Érythrée, il y a un ferment de résistance, d'autonomie. Mais il a beaucoup vieilli. Et il est ankylosé. Dans son rituel, dans l'interview des Grandes Ce Monde, elle est allée interviewer Haïlé Sélassié. Il faut dire que son interview est assez savoureuse, mais elle a voulu aller le voir en déplacement. Et il inaugurait un pont de chemin de fer, toujours sa volonté de développement. Et il y avait un immense banquet, tout près, mais à l'ancienne. Et c'était l'odeur des viandes qui montait vers le ciel. Et tout le monde mangeait, tout le monde baffrait, dit Oriana. Mais voilà ce qu'il y avait tout autour, des centaines de paysans qui étaient accourus, attirés par l'odeur. Cuisiniers lançaient souvent des gigots à peine entamés, toutes sortes de choses, mais dans un enclos, protégé par des... Le descendant d'une dynastie de 3000 ans ne comprend pas que ça puisse être scandaleux. Son père faisait cela, il y avait aussi des gens qui avaient faim au temps de son père, et son grand-père, et son grand-oncle, et Ménélique, et tout le monde.
Oui, mais les temps avaient changé. Pas lui. En 1974, un journaliste de la et il découvre que le Nord est ravagé par une famine abominable. Il y a déjà 100 000 morts. Les journalistes déferlent, les photographes arrivent, et puis aussi les organismes humanitaires qui veulent venir au secours de ces gens qui meurent de faim. Savez-vous ce que va faire le gouvernement du négus de l'empereur, le ministre des Finances? Il va déclarer que toutes les denrées qui sont introduites en Éthiopie devront payer des droits de douane. Beaucoup de gens qui meurent de faim, mais vous savez, en Éthiopie, toutes les générations ont connu des famines, et c'est vrai. Oui, mais on aimerait qu'ils réagissent autrement. De résistance, de révolte, de révolution. Étudiants, mais surtout l'armée. Et c'est ça la différence avec le putsch de Mazan maintenant. Il est Sélassié. Il est dans son palais. Et avec cette ribambelle de chambellans, de gens chargés de tâches insensées, il y a tâches extrêmement difficiles. Il ne faut pas qu'il glisse le coussin trop tôt. Il ne faut pas non plus qu'il le glisse trop tard. Et il explique qu'il a 52 coussins. C'est extraordinaire. Il y a le chambellan, ils se dénoncent l'un l'autre pour pouvoir avoir un peu plus de pouvoir. C'est une caricature. Mais ça a toujours été comme ça. Mon père faisait cela, récompensait certains pour sa militaire, c'est l'Empire. J'aime l'armée, a-t-il dit aux militaires qui arrêtaient ses ministres. Alors il a nommé un nouveau ministère. Les militaires, avec autant de respect et saluant, avec humilité. On m'a dit que ces jeunes gens de la Révolution voulaient aider le peuple. Comme j'aime mon peuple, j'aime la révolution. Mais qui était aussi âgé que lui. Alors, un beau jour est arrivé un simple officier, ou même pas un général, qui a salué avec humilité sa respectable majesté, qui a dit au valet de chambre, écoute, prends ton baluchon, va chez toi, ce sera mieux. L'autre est parti. Qui a dit, sire, il est mieux que votre majesté me porte. Alors il a ouvert la porte et il a baissé le siège pour que l'empereur puisse s'asseoir derrière. Là, il a eu un moment de recul. Oh non, pas une voiture comme cela, a dit l'empereur. Ben oui, dans une chambre. Le matin, il assistait à la messe, il avait un prêtre. Après, il lisait toute la journée. Il dormait beaucoup. Il est massacré. Ça a été l'horreur. Il faut lire le récit du journaliste dont je vous parlais tout à l'heure. Il était là. Et il montre dans son récit ses jeeps avec ses soldats. Aux lunettes noires, mitraillette au poing. Et il suffit dans la rue qu'un homme s'approche de la Jeep en disant « Celui-là est un traître !» Aussitôt la mitraillette se lève, on abat le traître, pas de jugement, rien. Les auteurs de la Révolution vont disparaître les uns après les autres, vont être tués les uns après les autres. My sister was in prison, and she Ma sœur était en prison, elle y est restée environ 6 ans. Elle est tombée gravement malade et comme il n'y avait pratiquement aucune assistance médicale, sans avoir jamais été jugée, nous espérions sincèrement qu'il serait libéré pour le 10e anniversaire, mais en vain. Et ce fut une déception terrible pour toute la famille. Beaucoup d'autres Éthiopiens sont actuellement emprisonnés. D'autres ont
Alors, ce vieil empereur. Un jour, il est tombé malade. Il a fallu l'opérer. On l'a conduit à l'hôpital et il faut reconnaître qu'on l'a opéré dans de Londres, de regagner l'Éthiopie pour exercer ses prérogatives de prince héritier. Je veux dire que ce prince n'est pas revenu en Éthiopie. Et le vieux c'est ce qu'on a pensé en haut lieu. Alors, quelque temps plus tard, on a annoncé qu'il était mort d'un accident circulatoire. Ben oui, il faisait de la tension, ses artères étaient abîmées, il était vieux, ce pauvre homme. L'accident semble avoir été, selon des témoins dignes de foi, venu s'étendre ou s'appuyer ou s'asseoir sur ce matelas supérieur un bon moment, un moment suffisant. Puis quand ils se sont levés, eh bien, il n'y avait plus voilà. Haïlé Sélassié a perdu sa couronne et a perdu la vie parce qu'il n'avait rien compris. Fermée dans ses frontières. Une sorte de rideau de fer s'est élevé autour d'elle. Il semble qu'elle ait délibérément voulu retrouver ce 15e siècle. Et l'économie s'est effondrée. La famine s'est remise à régner pire que jamais. Mais alors, ces hommes qui, de si bonne foi, en 1974, avaient promis qu'il y aurait plus de justice, plus d'équité, que la vie des paysans éthiopiens ne serait plus un enfer, ces gens-là, où sont-ils? Ils sont morts. Je ne défends pas Haïlé Sélassié, je ne défends pas le Négus, mais je me dis que lui, ce qu'il verrait, eh bien, il ne comprendrait pas davantage.